Grâce aux privilèges que lui offre sa position géographique centrale dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest, le Bénin dispose de tous les atouts pour exercer son rôle de pays de transit. Outre le réseau routier qui fait partie des réseaux les plus performants de la sous-région, le Bénin dispose d'un port en eau profonde, carrefour par excellence des grandes routes maritimes desservant la côte occidentale, centrale et australe de l'Afrique. Plus qu'une porte océane de désenclavement de l'Afrique sahélienne, le port de Cotonou se révèle un outil de développement et d'intégration de l'ensemble des pays qu'il dessert. Dodi. Oui, papa. Il faut vite couper ces branches, hein. Et fais vite. Oh. Je fais ici. Mais je t'ai déjà interdit de ne plus mettre pied sur ce terrain. M'interdit, vous avez dit? Tu as bien entendu. Vous ne pouvez pas être sérieux? Moi? Parce que c'est depuis mon enfance
que je travaille ici avec mon papa. De quoi riez-vous? Ah bon? Ton papa. Où est ton papa? Il est mort. Tu sais de quoi est mort ton père? Ça ne m'intéresse pas. D'accord. C'est pourquoi je t'avertis pour une dernière fois de ne plus mettre pied sur ce terrain. Eh, venez. Écoutez. Votre avertissement ne me dit rien. Pour moi, vous bavardez seulement. Parce que ce terrain appartient à mon grand-père. Et si ce n'est pas votre convoitise, votre terrain a pris fin depuis là-bas. Donc, c'est moi qui convainte? Bien sûr que oui. Ah! Je connais bien l'histoire. Tu connais l'histoire de ce terrain? Oui. Toi, Nouimo, tu connais l'histoire de ce terrain? Bien sûr que oui. Tu entends? Nouimo connaît l'histoire de ce terrain. D'accord, tu verras. Mais papa, sois patient. Volcan, vous verrez tous. Dodi, laisse-le. Il connaît l'histoire de ce terrain. Bien sûr que oui. Tu vois, toi, tu connais l'histoire de ce terrain. Tu verras. Vous verrez tous. Tu ne peux rien contre moi. Nimo. Que faites-vous encore là? Mon père ne vous a-t-il pas interdit de labourer ici? Ah, toi aussi. Oui. Oui. Moi, fils de Datou, tu n'as pas de respect pour les personnes âgées. Qui es-tu toi pour que moi je te respecte? Ce n'est pas ta faute. Tel père, tel fils. Ok. Puisque tu reconnais que je suis le fils de Datou, je vais te montrer que j'en suis digne. J'irai lui rendre compte. Je m'en fous. Vous ne pouvez rien contre moi. Da. Je viens du terrain là-bas. J'ai vu une mère en train de travailler là-bas. Et je suis allé le voir, je lui ai demandé ce qu'il faisait là. Il s'est mis à m'insulter. Et à la fin, il dit, tel père, tel fils. Nouimo. Béje Ouge. Da. Adanou. Da. Denaga. Papa. Nouimo m'a insulté. Prenez vos bâtons. Allez le corriger. Entendu, Da. Ah! Qui provoque le tonnerre subit sa colère.
travail, papa. Oui, c'est toi, Fifa, mais. Oui, papa. Papa, ça veut dire que vous avez fait tout ça? Oui, ma chérie. C'est la nourriture? Oui, papa. Ah, il fait quelle heure même? Il est déjà midi passé. Papa, je vois pourquoi j'ai fait maintenant. Travaille vite. Regarde le paresseux. Tu penses que c'est à cause de toi que j'ai amené la nourriture? Fifa, mais. Oui, papa. Qu'est-ce que vous avez préparé? Yam avec l'huile rouge. D'accord. Dépose ça là-bas. D'accord, papa. Papa, nous allons manger en même temps, non? Allez, travaille vite. Mange doucement, hein. D'accord. Kourma. C'est de l'huile ridicule. Ça sent bien. Oui, papa. C'est toi qui as osé insulter notre papa. Hey, Dis-nous. Sa Majesté. Qu'est-ce qu'il y a? Merci, Sa Majesté. Pouvez-vous imaginer un instant que la femme que moi, Dandinou, j'ai épousée, refuse de me préparer à manger et même me refuse l'accès au lit? Est-ce vrai ce que vient de dire ton mari? Le mari en question n'a pas donné l'argent de Popote.
Alors avec quoi je vais préparer? Tandjinou. Sa Majesté. Tu as bien entendu ce que vient de dire ta femme. Si c'est vrai, tu n'as pas raison. Du tout. Et si c'est à cause de ce petit problème que vous vous bagarrez, ne revenez plus ici avec ce genre de problème. À partir d'aujourd'hui, Dandjinou, fais tes devoirs. Et elle fera le sien. Vous pouvez partir. Merci, Sa Majesté. Calme-toi. Qu'est-ce que tu as? On vient de me dire que les enfants de Diatou sont venus tabasser mon mari dans son chat. Mmh. On doit faire quelque chose. Tu as tout encore? Sa Majesté. Va me les chercher. À vos ordres, Sa Majesté. Qu'entends-nous? Sa Majesté. Est-ce que Jato aussi est là? J'ai appris qu'il a envoyé ses enfants. Voici Jato. Et dis-lui de venir ici. Tout de suite. À vos ordres, Majesté. Merci, Sa Majesté. Tout à l'heure, je mangeais au champ quand subitement les enfants du Jatou me sont apparus. Je voulais à peine demander l'objet de leur présence quand ils se sont jetés sur moi. Ce sont eux qui t'ont tabassé ainsi? Oui, roi. Jatou, qu'est-ce que tu as dit? Ce que j'ai à dire, c'est ce qu'il mérite. Quoi? C'est à moi que tu parles comme ça? Oh, haha! Oh, haha! Bobo, haha! Meta, golo, golo, sap! Weleye! Weleye! Figa, si je comprends bien, c'est à cause de ce problème de terrain que Diatou envoie ses enfants frapper nuit et jour dans son champ. Hein? C'est bien sûr ça! Parce que je l'ai déjà averti de ne plus travailler sur ce terrain. Car il ne lui appartient pas. Et le terrain appartient à qui? Le roi te pose une question, non? Réponds. Lui-même, il sait! Il le sait très bien! Il sait quoi, Diatou? Je connais bien
l'histoire de ce terrain. C'est une ancienne affaire entre ton grand-père et son père. Là où mon travail ne fait pas partie de votre terrain. Votre terrain prend fin là où se trouve le cocotier. Et le terrain de son grand-père commence là où se trouve ce même cocotier. Et d'ailleurs, c'est son grand-père qui a planté ce cocotier pour départager les deux terrains. Donc, vous connaissez très bien l'histoire de ce terrain. On verra comment ça va se terminer. C'est à moi que tu parles comme ça. Tatou, à partir de maintenant, je t'interdis d'aller embêter Mouyimo dans son champ. Ni toi, ni tes enfants. J'ai parlé. Vous pouvez partir.